Bonjour les amis, et ben, vous êtes tellement nombreux à me demander ma boisson une fois de plus, alors que je vous l'ai déjà donné de nombreuses fois. Mais c'est pas grave, je vais recommencer. Alors vous voyez, j'en prépare toujours d'avance. Alors j'en ai quatre, et quatre bouteilles comme ça qui sont prêtes. Et je vais devant vous faire la cinquième. C'est là. Alors, je prends une bouteille. Pourquoi cette bouteille-là? Eh bien, tout simplement parce que le goulot est gros et c'est la marque Voss. Je ne sais pas si vous connaissez Voss, mais en tout cas ici, l'avantage, c'est la largeur. Alors, la bouteille, je ne mets pas l'eau tout de suite pour que ce ne soit pas mouillé. Alors, en premier, vous le savez, c'est le thé vert matcha. Alors, qu'est-ce que je mets dans une grande bouteille comme ça? Ça, c'est un peu grand. Je prends, c'est une demi-cuillère. Ça, c'est une quart. C'est bien ça, un quart de cuillère à café. Alors, je prends Ara. Ara, vous voyez, mon thé matcha. Et hop. Le cinnamon, la cannelle, alors ça donne un peu un goût sucré. L'inconvénient, c'est que ça, il faut toujours remuer parce que c'est plus lourd et ça tombe au fond. Drôle de mélange, vous allez me dire du turmeric. Du turmeric, c'est là aussi une cuillère, toujours un quart de cuillère. Le gingembre, les amis, organique, gingembre, ginger en anglais. Après, alors là, c'est pas marqué dessus, mais c'est du piment de Cayenne. C'est du piment de Cayenne, vous voyez, c'était un pot de cornichon. Alors bien sûr, là, j'en mets quand même un peu moins. J'en mets à peu près la moitié de du quart d'une cuillère à café. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du poivre de Cayenne, qui c'est très bien aussi. Voilà. Et après, j'ai un produit qui est un mélange détox, ça s'appelle. Faudra que je retrouve le lien pour vous le mettre. C'est détox. Alors il y a de la spiruline, il y a du pissenlit. Il y a plein d'herbes différentes et j'en mets une cuillère. Après, mes outils, voilà, et de l'eau. Alors, vous pouvez mettre bien sûr de l'eau plate, de l'eau gazeuse, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien avec de l'eau gazeuse et vous devez juste faire attention au pH, que ce soit un pH de 7. 7 ou 7, 2, 7, 3, enfin, il ne faut pas que ce soit acide, bien sûr. Je laisse reposer, ben vous voyez, c'était de loin pas plein. Et voilà, c'est terminé. Alors, bonne santé avec ma potion magique. Merci les amis, au revoir.